Alors aujourd'hui, nous sommes sur le stade de Montmorency, donc sur le stade du club de rugby d'Hérouville. Et nous organisons pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques un stage pour les enfants de l'école du rugby. Donc ce matin, c'est le premier jour du stage. Le matin, on va faire du rugby. Et l'après-midi, ce sera des activités autres pour permettre aux enfants de découvrir autre chose. Et là, ce matin, pour inaugurer le stage, on avait invité quelques élus et qui sont en train de prendre un petit déjeuner avec les enfants. Ils doivent échanger directement avec les enfants, leur expliquer leur fonction, leur place dans la société. Là, c'est le petit côté éducation civique pour les enfants. Hein. Moi, je suis ravi de vous voir, les enfants, tout particulièrement au travers de ce petit déjeuner. Et donc, profitez de ces vacances pour vous entraîner dans les meilleures conditions possibles. Vous avez la chance d'avoir avec vous l'ensemble des représentants et des bénévoles qui font en sorte que le club, votre club, soit un véritable club de rugby au niveau national, pour pas dire international. Donc j'espère que vous allez faire des bons résultats, des bons entraînements. J'aime bien le rugby, et j'aime bien jouer avec mes copains, et puis j'aime bien le jeu collectif. Le but de l'opération, c'était d'occuper les enfants pendant les vacances de Pâques. Et puis tout à l'heure, c'était de rencontrer les élus, aux élus d'expliquer leur rôle dans la société. Le stage commence par une période pour les petits, pour les moins de 7, moins de 9, moins de 11. Et en fin de semaine, on aura le stage des plus grands, des moins de 13 et des moins de 15. Donc toute la journée, ils vont faire du sport, ils vont rester pour manger le midi. Le matin, on va faire du rugby. Et l'après-midi, ce sera des activités autres, pour permettre aux enfants de découvrir autre chose, de ne pas faire du rugby toute la journée. Je crois que cet après-midi, c'est la piscine et demain, c'est du tir à l'arc. Puis là, ça a l'air de très bien se passer.